Alors, combler, je ne sais pas si c'est le bon mot parce que du coup, il y a longtemps, moi, que j'ai renoncé à connaître la vérité et quelque part, c'est étrange à dire, mais elle m'est égale la vérité de ma propre histoire. Ce que je souhaitais, c'était rendre hommage aux résilients, aux migrants, aux combattants et par ce biais, rendre hommage aux miens. Et finalement, je n'ai pas eu besoin de connaître la vérité pour le faire. Donc, je ne ressens pas vraiment de frustration ou de manque à combler, si ce n'est un plaisir particulier à mêler un petit peu ma propre quête de devoir de mémoire avec l'amusement que ça peut être d'inventer des personnages qui nous font du bien aussi. C'est simplement que ce sont les femmes qui m'inspirent le plus. Peut-être qu'un jour, ce sera différent, mais aujourd'hui, celles qui forcent le plus mon admiration et celles qui m'inspire le plus sont les femmes. C'est plus difficile de naître femme en 1925. Donc forcément, ces personnages, en étant féminins, sont plus confrontés à la difficulté, donc plus dramatiques et souvent plus courageux.